Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser ce point de grille. Voilà, vous voyez, ça fait comme des petites alvéoles. C'est vraiment joli pour un gilet, une veste, un pull, même un débardeur je pense. Avec de la laine beaucoup plus fine, parce que moi c'est du 5, hein, c'est de la laine de chez Ziman, je crois. Voilà. Non, celle-là vient d'Action, je crois. Donc, ce point se fait sur un multiple de 7 et il se fait sur un nombre de rangs de 8. Par contre, une chose, c'est que ça, je le dis pas, mais en fin de compte, quand je vous dis que c'est un multiple de 7, c'est tout le motif, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez rajouter une maille lisière à droite et à gauche. Sinon, je vous le dis, hein, quand j'en mets, je vous le dis. Là, il n'y en a pas, donc si vous voulez le faire, vous la mettez. Voilà. Du coup, on va passer aux explications. Donc, moi, j'ai monté 21 mailles pour vous faire voir le point. Donc, alors, ne pas serrer, hein, sinon ça sera pas joli. Alors, on va commencer, on fait 2. On prend 2 mailles ensemble. On fait un jeté, 3 mailles en droit. 1, 2, on a 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on repart. 2 mailles en droit. 2 ensemble. 2. Comme c'est le premier rang, j'ai pas fait de côte ni rien. C'est un peu plus dur. Hein. Un jeté. Et 3. 1. 2, 3. Il vous reste évidemment 7 mailles. 1, 2 en droit, 2 ensemble. Un jeté et 3 mailles. Là, on a fait le premier rang. Pour le deuxième, on va faire une maille en vert, 2 ensemble à l'envers, donc vous les prenez bien à l'envers, un hop, et on fait un jeté, une maille en vert, un jeté. 2 mailles ensemble et une maille envers. Vous devez avoir vos 7 mailles. Et on repart. Une maille envers, 2 ensemble, 1 jeté, une envers, 1 jeté. 2 ensemble et une envers. Et on recommence. Une envers, 2 ensemble un jeté, une envers. Un jeté, 2 ensemble et une envers. Le troisième, vous allez faire 2 ensemble, un jeté, 3 en droit,
1, 2, 3. Un jeté, un sur jet simple. Donc, on prend la maille, on la passe par-dessus et on passe celle-là par-dessus. Et on recommence. Deux ensemble. Un jeté. Trois endroits. Un jeté. Un sur jet simple. On passe la maille. On tricote l'autre. Et on passe celle-là par-dessus. Et on recommence. Deux ensemble. Un jeté, trois endroits, un jeté et un sur jet simple. Et là, vous avez fini votre rang. On passe au quatrième. Et bien celui-là, il est facile. Tout à l'envers. Et quand vous faites vos mailles, faites attention à celle-là. Parce que ça, le jeté, si vous le perdez, vous perdez des mailles. Parce qu'à chaque fois que vous faites des mailles ensemble, ben, il faut faire un jeté. Sinon, il vous manque des mailles. Mince. Et là, on va passer au cinquième. Alors, le cinquième, vous allez prendre votre fil comme ça. Vous voyez, on fait comme ça parce qu'on va faire un jeté d'entrée. Donc, vous prenez le fil comme ça. Voilà. On va tricoter celle-là. Donc, on va faire un sur jet. Donc, on va passer la maille là. On va tricoter l'autre. On prend le fil. Alors, vous prenez votre fil comme ça. Vous le passez là. Vous tricotez celle d'après. Et là, on passe le jeté par-dessus. Ce qui vous fait le jeté et le surjeté. Et on continue 5 mailles, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet simple. Cinq mailles. Un jeté, un sur jet simple et 5 mailles. Alors, là, on va faire un jeté. Deux mailles ensemble. Vous avez vu? Hop. Je prends mes deux. Vous voyez? Hop. Et je les tricote. Deux mailles envers. Deux ensemble.
jetée et noyer en vert. Et si vous comptiez, vous en avez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence. Un jeté. Deux ensemble. Deux envers. Deux ensemble. Un jeté. Et une envers. Un jeté, deux ensemble, deux envers, deux ensemble, un jeté, une envers. Le septième. Voyez comment ça se formait le point. On va faire deux en droit. Un jeté. Un sur les simples. On passe la maille, on tricote l'autre. Et on passe celle-là par-dessus. Deux ensemble. Un jeté. Une en droit. Et on recommence le point. Deux en droit, un jeté, un sur jet simple, on passe la maille, on tricote l'autre et on passe celle-là par-dessus. Deux ensemble, un jeté, une en droit. Deux en droit. Un jeté, un sur jet simple, deux ensemble, hop, un jeté, une en droit. Et le dernier, et bon, on va le faire le huitième, tout à l'envers. Faites bien attention avec les jetés. Hein. Quand vous faites même le point à l'endroit, gardez bien que c'est la première maille, c'est cela. Hein, parce que si vous trompez de maille, le point, vous n'allez pas le réussir. Vous voyez là? Il y a celui-là et celui-là. Mais il faut prendre celui-là. Si vous prenez celui-là, ça va être bon. Vous voyez, la maille, elle est là. Et là, on a fini nos rangs. Hop là, voilà. Donc évidemment, sur un petit comme ça, on voit pas trop. C'est vrai que quand ça monte comme ça, et vous voyez, celui-là est beaucoup plus, la laine était beaucoup plus fine. Je trouve que le rendu est différent que celui-là. Après, j'ai pas mis, j'ai pas fait de, j'ai rien fait en bas, donc ça fait pas pareil du tout. Et ben voilà. Le point de gris est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.